La bipolarité ou quelle que soit la maladie psychiatrique, il n'y a pas de danger, il y a plutôt une grande souffrance derrière. Je m'appelle Marine, j'ai 41 ans. J'ai pris la décision d'ouvrir un compte Instagram qui a pour but de sensibiliser au handicap psychique. Et donc ce compte s'appelle Le Comptoir des Humeurs. Je suis moi-même bipolaire. C'est vrai que c'était pas forcément évident de se mettre en avant par rapport à une maladie qui est encore énormément stigmatisée. Mais j'avais quand même à cœur de vraiment contribuer à la déstigmatisation de la bipolarité. Via le compte Instagram, j'ai pu rencontrer des personnes effectivement qui sont atteintes de bipolarité. C'est vrai que ça fait beaucoup de bien de pouvoir échanger sur des pathologies communes et puis de pouvoir échanger sur nos quotidiens tout simplement. Aujourd'hui, je suis au chômage, mais je fais partie d'une association dans laquelle je suis bénévole. C'est une association qui accueille des jeunes de 15 à 30 ans qui sont touchés par les troubles de l'humeur et j'interviens sur la partie employabilité. Travailler aussi pour aider ces jeunes-là, c'est quelque chose pour moi qui est relativement important. Si j'avais un message à faire passer, j'aurais envie de dire que la bipolarité ou quelle que soit la maladie psychiatrique, il n'y a pas de danger, il y a plutôt une grande souffrance derrière. Nous sommes des personnes qui sont complètement ordinaires avec juste des fragilités, des difficultés, mais ça n'empêche pas la communication, le partage, ça n'empêche pas l'amour, ça n'empêche pas l'amitié. Ça, voilà, ça n'empêche en fait absolument pas de vivre en société.